Alors, salut à toutes et à tous, et comme d'habitude, plutôt à tous qu'à toutes, je pense. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts pour la soirée Total War Warhammer 2? Image ok, son ok, merci Sir Bancal, salut à toi. Salut Zeker, on a nos deux modos de choc. Plus j'ai cru voir un modo suppléant se balader quelque part. Me semble. Salut Schizostylis. JDA, salut, j'ai cru lire que tu avais une surprise. Bah écoute, c'est cool, je pense que ce sera pas la seule de la soirée apparemment. Il y a plusieurs choses qui se trament un peu dans l'ombre. Je vais découvrir ça avec vous. Xermes, salut. Mephisto Fedes, hello à toi. Kaidero, Arki, coucou. Salut tout le monde, j'attends encore peut-être 30 secondes que les gens arrivent. Maugré Folleuil, re. Sympa de te revoir sur le live. Tonton Dac, cool. Tu as pu finalement le faire à temps. C'est chouette, il me semble que tu m'avais dit que tu passerais plus tard. Scraggy, re. Jafar, salut. Ok, salut à tous. Je vais démarrer sans plus attendre pour essayer d'avancer un petit peu, puisqu'apparemment je suis assez lent, on est autour 18 quand même au bout de quelques lives. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors, qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? Principalement, on avait confédéré avec Ivresse, malheureusement. Malheureusement, ils n'ont aucune armée à nous livrer. Juste des territoires ravagés par la guerre, apparemment. Il va falloir essayer de manœuvrer pour ne pas perdre trop de provinces ici. Parce qu'on n'a pas d'armée pour les défendre pour l'instant. Mes plans sont de ne pas trop changer l'objectif de Tyrion, qui est de partir au nord et d'en terminer avec cette faction-ci. Dont je ne me souviens plus du nom. Regardez. Saferi, voilà. Je crois que des fois j'ai tendance à confondre les endroits où se trouvent les noms et où se trouvent les villes et où se trouvent les noms de leaders. Mais ça doit être ça. Oui, c'est ça. Donc on va les éliminer complètement. Ils nous ont embêtés, on leur a déclaré la guerre, ça leur a pas plu. Ils ont recommencé à résister de manière tout à fait malpropre. Ça ne se fait pas. On résiste pas, on s'incline et c'est tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà s'occuper de... Ah, JDA, merci pour l'abonnement. Vous avez vu que mon live rustique est devenu un peu plus bizarre encore, avec des petites ajoutes que j'ai faites. J'espère que ça va vous plaire, vous amuser un peu. Alors, donc merci à toi pour l'abonnement, le réabonnement peut-être, je sais pas trop. Je pense que c'est un abonnement, parce que sinon il aurait indiqué réabonnement. Ça me fait bien plaisir. Alors, Tyrion. Tyrion, il faut qu'il reconstitue les troupes. Hein. On va peut-être pas... Je vais voir ce que je peux recruter. Il n'a pas encore de cavalerie. Je pense qu'on va recruter un peu de cavalerie en local. Et on va bouger vers le nord. Je vais... Ah, il a plus de mouvement pour l'instant. D'accord, c'est la fin du tour. Ok. C'est pas grave. Rubinis, elle peut bouger. On va aller vers le repos de Calédor pour protéger, puisque maintenant on a la guerre. Il va falloir recruter parce qu'elle a vraiment pas grand chose. Donc, je sais plus si je peux recruter après un déplacement total. Je vais vous dire, j'en suis pas convaincu à 1000%. Non, ça permet juste d'accéder au groupe de recrutement global, donc je peux me déplacer jusque là. Même jusqu'ici. Puis encore recruter en local, pas de problème. On va recruter, écoutez, on va recruter encore des gardes maritimes de Lothaire, en tout cas en défense c'est vraiment bien. Ils peuvent tirer avec leurs arcs et puis encore se défendre efficacement. À ce moment-là, est-ce que ça vaut encore la peine d'avoir des archers quand vous pouvez recruter des gardes maritimes de Lothaire? Pas convaincu des masses, hein. Ils ont juste deux munitions en moins, un petit peu moins de portée, c'est pas... On recrutera plus d'archers maintenant, c'est fini. On n'en veut plus. On veut des gardes maritimes. C'est ma meilleure unité pour l'instant, je vais en prendre 3. Est-ce que les niveaux sonores vous paraissent bons? JDA dit, je profite des moins 50% de l'abonnement. Bah écoute... Ok, tout à fait, ça m'affecte pas la partie qui me revient apparemment. Bon, j'ai encore rien touché sur Twitch, hein, je vous en informe, mais effectivement, ça m'a été dit.
Kaidiro demande, on a combien de minutes de décalage avec moi? Ça m'intéresse aussi de le savoir. 30 secondes à 1 minute max, disait Kerr. C'est plus ou moins ce que j'observais, voire même grand maximum 30 secondes, je pense. En gros. Tout est impec, salut Lou Design, on continue. J'essaie de vous lire de temps en temps, évidemment, comme d'habitude. Au niveau des déplacements des armées, je pense qu'on a fini. On a notre héros ici. On va le mettre là pour être sûr de pouvoir voir une armée ennemie venir et éventuellement l'attaquer avec le héros. Dirion lui n'a rien à faire, ok. Alors, on va regarder un peu la stratégie diplomatique parce que c'est important. On a maintenant un malus de moins 40 par tour à cause de la Confédération. On s'entendait bien avec eux, ça risque de pas durer. Donc on a combien en influence? On a 55, on va utiliser un peu d'influence pour éviter les problèmes avec Avelorn justement. Plus 20. On est à moins 2, se détériore encore. Maintenant ça va remonter donc je préfère franchement. Plus tard on pourra peut-être même confédérer avec eux. Sinon il y avait également eux qui s'entendaient bien avec nous, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, Gil-galion, même plus trop. Ça se détériore. Alors quand vous avez comme ça qui est indiqué 54 vers 28, je pense que ça veut dire qu'à terme ça va arriver à 28 et puis se stabiliser, mais j'en suis pas sûr non plus. Est-ce que ça veut dire au tour prochain on est à 28 ou est-ce que ça veut dire on se dégrade vers les 28? Je crois qu'on se dégrade vers les 28, honnêtement, je crois que c'est ça que ça veut dire. Là, c'est peut-être pas trop trop grave encore. Ok. Alors, est-ce que je recrute un troisième seigneur pour l'instant? Je ne pense pas, on n'aurait probablement pas de quoi vraiment le soutenir, l'entretenir. Alors je vais vraiment essayer de privilégier le détroit de Lauterne et sa capitale pour qu'on voit les meilleures unités le plus vite possible. Donc on va garder la croissance pour Lauterne. Et qu'est-ce qu'on va y faire? Pour l'instant en termes de bâtiments militaires avancés, je peux pas faire grand chose, hein, rien du tout. Je pense qu'on va quand même faire l'ambassade elfique. Je sais pas si on l'a dans chaque capitale. Dans chaque capitale. Ça va augmenter les revenus commerciaux de 5% dans toute la faction. Je la ferai peut-être dans toutes les capitales de toute façon. C'est pas mal. Reste 556, on ne saura pas faire grand chose avec ça. En Calédor. Pas dépenser d'argent là parce qu'on risque de se la faire prendre. Ivresse du Sud, c'est une de nouvelles provinces qu'on a acquises. Je pourrais... Alors, il me faudrait de la croissance certainement. Là, les slots sont pris et là, ils sont pris aussi. Peut-être... Alors, je vais passer un peu de temps à faire de la gestion quand même, ici, il y a besoin. On va garder ces deux bâtiments-là. On va garder... Le camp de milice, on peut éventuellement le garder pour pouvoir recruter. Quoique, je compte pas recruter là à court terme. Maintenant, c'est un bâtiment niveau 3, ça correspond bien. Hiverne du Sud. Ivresse du Sud plutôt, c'est ici. Est-ce que je vais vous la recruter là? Pas vraiment convaincu. Je suis pas vraiment convaincu à 1000%. Et j'aurais besoin de croissance. Non, je pourrais prendre la croissance ici temporairement. Je vais l'enlever quand même. À court terme, il ne me servira pas. En ivresse du Nord, là, il faudra pouvoir recruter à terme parce que on se rapproche des ennemis. On a déjà de quoi recruter. Ah, c'est pas de la cavalerie, ça, c'est l'enclos à bétail. C'est un bâtiment de ressources, d'accord. Il y aura la cavalerie. C'est pas un bon emplacement pour la cavalerie ici. Hein.
Très mauvais choix. On va l'enlever. À Tralinia. On est parti sur la croissance et de l'argent, c'est très bien. Et à Sardenat. Alors par contre, il faudra peut-être prévoir des défenses quand même. On va regarder un petit peu les deux villes. Sardenat certainement et Tralinia peut-être de manière secondaire. Là, il y a une garnison. Pas terrible, mais des murs. Là, par contre, il faudrait faire des murs. Tour de guet, on la fera dès que possible. Et on va faire les fermes. On est déjà là, mais... Ouais, allez, hop. Saferi. Saferi, c'est ici. Et il nous manque ces deux villes-là. Ok. Je vois un petit peu plus clair parce que, évidemment, j'ai pas rejoué depuis samedi passé. C'est bon. Alors, on peut passer des ordres dans les nouvelles provinces. On a ici la croissance. Ici aussi. Fin de tour. J'en profite pour vous lire un petit peu. Faut quand même que je surveille ce qui se passe. Hein. Salut Warkild, tu es arrivé tôt finalement. Attention ici. JDA, je préfère avancer lentement et sûrement, entre guillemets. Mais c'est vrai que 18 tours, c'est un petit peu... Après, je prends aussi beaucoup de temps pour discuter avec vous, donc... normal qu'on n'avance pas si vite. Si je faisais une VOD. Il y a un surplus de population ici, on peut regarder tout de suite. J'ai 3 de surplus. Non, j'ai 1 de surplus, ça sert à rien pour l'instant. Destruction terminée, construction terminée, ferme. Là, c'était en ivresse du nord. Est-ce qu'on va faire autre chose ? Remplacer. On devrait vraiment avoir des murs là également. Ce sera de façon pas... Mais il y a déjà des murs évidemment. Il y a plus de garnison, ça peut pas faire de mal. Je voudrais pouvoir recruter bien dans cette province, donc on va pas faire quelque chose là pour l'instant. Et ici... Bon, la cavalerie, je pense pas vraiment que c'est le top pour les hauts elfes. Quoique ici c'est peut-être pas si dégueulasse que ça. On va renforcer un petit peu. Hein. Faire ceci. C'est là qu'on va commencer à se mettre sur la tronche. On va rentrer là. Repos de Calédor, on a 5 unités. Éventuellement, ça va le faire. Une chance sur deux d'abîmer un petit peu ces unités. C'est... Cool. Alors, il a pris un niveau, du coup. J'avais pris quoi? J'avais pris assassin, gagner de l'influence. Je vais mettre spécialiste, chance du succès de l'action du héros plus 1% c'est négligeable, mais coût de l'action moins 10%, ça c'est quand même... Bon, t'as plus 6% de réussite et moins 40% de coût. Je prends. Pas bouger ici. À Torfinu, on n'a pas des grosses défenses. Hein. On pourra peut-être même le faire en auto avant de foncer vers le pic de l'ombre et en terminer avec cette faction. Ce serait bien cool. Alors je vois que ça parle de la résolution source. Est-ce qu'on a bien le sélecteur de qualité ?
Alors, il m'attaque et on est complètement au-dessus maintenant grâce à notre recrutement, plus la garnison, plus le fait qu'on ait amoindri ses unités. Est-ce que je vais le faire en auto ou pas? Prendre votre avis sur le fait que je le prends en auto ou pas, cette bataille-là. Et pendant ce temps-là, je vous lis. Zeker dit qu'il l'a personnellement, donc j'imagine que tout le monde l'a. Ça ne dépend pas du fait d'être ni abonné, ni être en Twitch Prime ou quoi que ce soit, je pense. Ah, c'est cool, c'est la première fois depuis que j'ai la chaîne Twitch qu'on l'a, depuis le début, donc ça c'est vraiment, vraiment cool. Auto, 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 5, 6, 7, c'est bon. Ça me paraît logique. La garnison a perdu une unité, on s'en tape. On n'a même pas trop besoin de se reconstituer, a priori. Je pense qu'on va prendre l'expérience. Il n'y a pas d'autres menaces dans le coin, donc on n'est pas pressé. Alors quel va être l'objectif à court terme également? Non seulement de travailler notre relation diplomatique avec les voisins qui commençaient à m'aimer un peu moins à cause de la Confédération, mais aussi, je pense que je vous en avais déjà touché un mot, foncer vers le site de récolte de trésors. Trésors, en tout cas, ce dont on a besoin pour lancer le rituel. Gregor Solman me déclare la guerre, le pirate de Sartosa. Bah oui, il était déjà en guerre contre ceux avec qui on a confédéré. Pas l'air bien puissant, on va appeler Lyrion à la rescousse. Et on est rejoint par les alliés. Bon, ils sont pas à côté, donc ça va pas être super utile, mais... toujours bon de savoir qu'on peut compter sur eux. Alors Zeker dit qu'il aura une petite surprise sur le chat à la pause. On fera ça effectivement pendant la pause. Booter pour Rubinis, ça peut toujours être utile. On va foncer dessus pour terminer cette armée là. Les coursiers elfiques, en plus d'être les meilleurs chevaux qui foulent cette terre, sont des créatures nobles. Intelligence, gracieuse et agile. Ah d'accord. Alors je pense qu'on va le prendre, hein. C'est toujours pratique de pouvoir aller plus vite sur le champ de bataille. C'est bon. On y va, on va attaquer, ça va se faire en auto a priori. Encore un niveau. Ça pas trop. Alors est-ce qu'on la monte en chef de guerre ou bien est-ce qu'on monte ses capacités martiales à elle? Telle est la question. Sans doute un peu des deux de toute façon. Après ici elle a des choses également spécifiques. On verra ça le moment venu. Portée plus 3%, dégâts des projectiles perforants, plus 20% quand même. Honnêtement, améliorer les archers, c'est quand même toujours bien pour les hauts elfes, j'ai l'impression. Archer, garde maritime de Lauterne et baliste. Je retourne voir. Garde maritime de Lauterne, c'est bien la version la plus améliorée des archers. Très envie de prendre ça également pour elle. Il me manque que deux niveaux pour être au top. Il y a décoché. Tiens, ça m'intéresse. Rien que le nom déjà me paraît intéressant. Plus 10 temps de rechargement. Pour les alliés, plus 10 de temps de rechargement. Ça me paraît un peu hasardeux comme traduction. Plus 10. C'est pas très bien ça. Il doit y avoir un problème. En tout cas, ça fait des archers encore plus efficaces. Je pense que on va monter maître archer. Pas l'impression qu'en tant que combattante seule, elle soit si efficace que ça. Ah, quoique les stats sont toujours bien plaisantes hein, pour les seigneurs, bien sûr. L'armure est faiblarde.
Défense n'est pas si exceptionnelle. Je crois pas qu'elle puisse tenir le coup tant que ça en combat de corps à corps. Bah oui, Zeker, c'est une grosse arnaque, hein. C'est bien ce que je disais, plus 10, enfin. Après, on s'étonne que des fois, je comprends pas bien dans mes let's play les explications des infobulles ou des compétences, mais quand c'est traduit avec les pieds, forcément. Bon, après, c'est pas la règle générale, hein. Sur ce jeu-là, en tout cas. La traduction est globalement de bonne qualité, je trouve, les textes sont agréables à lire. Alors, l'enclume de vol, évidemment, c'est ça que je vise. Je suis pas trop sûr, il y a pas d'armée pour l'instant. Il y a quoi, 6, 8, 9 unités. Et bon, on a des unités quand même très basiques. Pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je vais ici au sud ou est-ce que je vis... Je pense qu'on va quand même recruter un peu plus. On a que 12 unités, ça me paraît un peu... Ça me paraît un peu limite. On a éliminé cette armée là, on peut revenir ici. Et recruter de nouveau, on a quand même beaucoup de bonus, donc je vais pas prendre trop de risques. On va faire une armée plus ou moins complète, même si elle n'est pas très variée. Étant donné que j'ai pas trop de choix encore. Ok. On va rester dans ce coin-ci. Je vais pas pouvoir faire grand chose sur la ville. Je peux gagner de l'influence là-bas et après on pourra peut-être attaquer la garnison, je sais pas. On peut toujours aller voir un peu plus près. Bien la même faction, hein, on est en guerre, ok. On va faire de bêtises. Tyrion. Tyrion, ça m'embête quand même, il y a quand même des unités qui sont un peu trop blessées. Après c'est rang 1, donc je pense que je vais simplement les fusionner, honnêtement. Pour pas perdre trop de temps. Il n'y a qu'une toute petite armée. On est à Torfinu, donc ouais. J'ai pas envie qu'ils commencent à recruter. Donc on va fusionner ces deux-là. Il me reste ça en prime. C'est bon. C'est beaucoup mieux. On fonce. Je vais encore la faire en auto, hein. Je vais quand même voir ce que vous en pensez. Salut Disty. Bienvenue à Kanash. De retour sur le live, ça fait plaisir. Vivement l'armée de dragons d'Xermes. Oui, mais on n'y est pas. Hein. On n'y est pas. Mais je vais y travailler. Alors, paladin dit Manuel, hein, t'es sûr, franchement. Quoique c'est vrai qu'en fait, ils ont quand même pas mal d'unités. Auto, auto, auto. Manuel, ok pour l'auto. Ok. On a perdu l'unité de lancier. Bon, on n'était pas expérimenté. On n'a pas eu tant de pertes que ça, mais ça s'est focalisé sur une unité en particulier. Alors on a pas mal d'argent. On pourrait piller, occuper pour avoir plusieurs constitutions, un petit peu de pognon. On va le faire. Alors évidemment, bon, on risque d'avoir une petite révolte, mais ça nous fera un peu d'XP, c'est pas grave. Bouclier en écaille de dragon. Défense en mêlée plus 5, résistance ultime 6%, résistance au feu 10%. Bon. Pas cracher dessus. Barde. Ben voilà, comme dit JDA, l'auto fait souvent, enfin peut faire mourir des unités, ça dépend comment ça se fait un peu au pif, des fois j'ai l'impression. Donc à moins, mais là c'était quand même assez bien déséquilibré dans ma faveur, donc je pense que j'étais plutôt favorable à l'auto de toute façon. On va lui mettre une monture. Je la voudrais de toute façon, mal en dire. Autant la prendre maintenant. Donc on a récupéré l'armure du destin. Je pense que de toute façon j'en ai... Ah, on a le bouclier en écaille de dragon. Non, c'est ça qu'on a récupéré.
Ça ressemble en moins bien, donc on va garder celle-ci. Pas d'armes qui traînent, rien qui traîne. Non. Allez, c'est bien, ça se passe bien pour l'instant. Les ennemis sont plus bien coriaces, on les avait bien amochés déjà auparavant. Toi, tu restes là un tour. Peut-être même plusieurs. Je peux recruter en local de la cavalerie, donc on va le faire. C'est juste un tour, bon c'est pas la meilleure cavalerie du monde. En fait ce qui m'ennuie avec ces patrouilleurs illyriens, je pense même que je vais pas les recruter, c'est que quand vous êtes confronté à d'autres elfes, qu'ils soient hauts ou noirs, bah contre les archers ça s'effrite en fait ces cavaleries là parce que vous n'avez pas beaucoup d'armure, vous avez pas de bouclier, donc je sais pas ce que vous en pensez mais ça vaut peut-être pas des masses la peine. J'aimerais bien avoir la version avec bouclier en fait avant de les recruter. Ça me paraît pas vraiment génial. On a ceci qui peut faire office un peu de cavalerie. Pas d'unité d'intervention rapide. Maintenant en local j'ai pas d'autre choix. Peut-être quand même des patrouilleurs. Plus ou moins la même chose. Par qui peuvent tirer. Je vais en prendre une. Pff, allez, une unité vraiment pour dire. Plutôt lancier dit les canaches. Des canaches oui mais... Alors ça va me prendre deux tours. D'ailleurs on n'est pas non plus hyper pressé. Ah, les lanciers, c'est-à-dire que les lanciers par rapport aux gardes maritimes finalement en termes de... Ah oui c'est vrai qu'ils ont des boucliers. Ils ont une meilleure défense et des boucliers mais à part ça ça change pas grand chose. Ils ne peuvent pas tirer. J'en ai plus des masses, c'est vrai que je pourrais en reprendre, mais alors ça veut dire attendre deux tours. On va quand même le faire pour être au top. Un lancier et un garde maritime. Non, on va prendre deux gardes maritimes. On a déjà 4 unités avec bouclier ici, je pense que ça va aller. Allez, comme ça me fait encore plus de tireurs. Ok, on a fait le tour. Oh, Lauterne. Je suis en train de faire ce que je voulais. Là, on va faire plus d'argent, ça c'est sûr. Calédor. Rien, Ivresse du Sud. Rien, là c'est en cours. Saferi. On va réparer ici. Ok. Alors j'espère que tout va bien pour vous au niveau de la fluidité. Vous dites s'il y a un problème. Hein. Signé, scellé, envoyé. On a découvert que le gardien du sceau qui contrôle la supervision de tous les documents portant la marque de Lauterne a abusé de sa position. Le bougre. Il a utilisé le sceau sur des dossiers subalternes et personnels afin d'augmenter son pouvoir et son prestige. Alors on l'expose publiquement. Oh, grosse opportunité d'avoir de l'influence. Ordre public moins 5 dans toute la faction pendant 5 tours. Ça peut peut-être provoquer l'une ou l'autre révolte. Plus 10. Portée de déplacement de campagne, moins 8% pour tous les personnages. C'est pas encore trop dérangeant. Trésorerie, et là, population heureuse, mais je perds de l'influence. Ça va se jouer entre ces deux-là. Allez, l'exposer publiquement ou exiger de ne sceller qu'en présence du roi. Je vous écoute, je vous lis. Coulé en prison, dit Maugré Folloc qui a pris de l'avance, qui a pris les devants. C'est-à-dire l'exposer publiquement. L'exposer, l'influence, c'est la vie. Je dirais ça aussi, ouais. Exiger. Exposer, ok. Je pense qu'on est d'accord, et puis si on a des petites révoltes, on pourra toujours s'en occuper. On a quasiment fini les guerres, on va dire. Puis les 30 d'influence, ils sont trop tentants.
Rituel déverrouillé, invocation de Vol, le grand artisan saint patron des elfes forgerons. Les objets portant sa griffe sont les meilleurs de leur gamme. Ok, allons voir ça. Et technologie prouesse à l'arc, encore un truc sur les arcs, c'est incroyable. Réduction du temps de rechargement, plus 15% pour les archers et gardes maritimes. On a fini, ouais, ça. Ok. Rébellion imminente à Saferi. On peut gérer. On peut gérer. Un dilemme offrira un puissant objet magique. Coût de recrutement moins 10% pour les combattants de mêlée. Armure plus 5 pour eux aussi. Expérience et capacité d'armée, marteau de Vol pendant les batailles de siège pour toutes les forces. Ça dure. Le temps de repos, ça dure 10 tours. Et puis il faudra attendre 30 tours. Ou 10 tours plus 20 tours, je suis pas trop sûr. Et ça va durer 10 tours en fait. Une explosion. Ah, j'aime pas trop dépenser. Pour l'instant, j'en vois pas l'utilité de faire ça. Je vais juste regarder s'il n'y a pas des quêtes que j'aurais un peu oubliées. Construire une promenade. 350. Alors tant qu'on n'aura pas pris la ville qui m'intéresse là-bas, on n'aura pas. On les aura pas. On va prendre du retard tant qu'on n'aura pas cette ville. Et ici, capturer et occuper la colonie, l'enclume de Vol. De toute façon, c'est dans mes objectifs. Ok. Très bien. Alors, on va se reconstituer tout en marchant vers... On est à 15 sur 20. Allez, je tiens un petit coup d'œil donc ici. Des bêtes lanciers, des archers... Et on est que 15 entre guillemets, mais je crois qu'on peut y aller. On a quand même des gardes maritimes. On a peu de lanciers finalement qui en fait sont quand même bons pour tenir la ligne. Bien meilleur que les gardes maritimes, faut que je fasse attention à ça quand même, faut pas que je prenne que ça. J'hésite à y aller maintenant en fait à l'enclume de Vol. Bah écoute Black Cat, je te remercie, ça va bien aujourd'hui, je suis pas fatigué, tout va bien, j'ai un petit rhume encore mais bon. Il y aura des murs bien sûr. On le voit ici sur le, comment dire, le bandeau, la banderole crénelée. Je m'inquiète pas trop. Je pense en effet qu'on peut le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'on va se faire tabasser par leurs archers depuis les murailles. C'est quand même un peu inquiétant. Mais il faudrait qu'on se bouge pour y aller. J'ai un peu peur quand même, je vous avoue. Niveau 6, et ici. Ça change. Un noble de niveau, je sais pas. On sait pas, on peut pas le voir. On y va alors. J'aurais bien aimé lui mettre un mage avec, on va essayer d'en recruter assez vite d'ailleurs. Pour avoir des mages, il faut venir ici. Faire les archives. La promenade, je dois la faire pour finir une quête. On va récupérer le pognon du coup. Je vais la faire. Dans deux tours, non dans trois tours, on aura un surplus de population mais ce sera pas encore suffisant. Ce sera pas encore suffisant. Là on a les fermes pour la croissance, ça c'est bon. On est déjà là aussi. Ok. Il nous reste 444, je vais pas pouvoir faire grand chose. Rayon infini. Donc,
Donc on avait pris... On avait pris... Prouesse à l'arc. Cartouche de munitions, réduction du temps de rechargement 15% pour les balistes. Et les chars, bon j'ai pas trop de ces machins là, donc on va pas prendre ça. Plus de vitesse pour nos lanciers archers, garde maritime, ça pourrait être bien. Notamment pour arriver aux murailles plus vite. Bon, ici on n'aura pas le temps, bien sûr. Rébellion ici, il faudra gérer, c'est tout avec Tyrion. Et voici les armées. C'est qui ça? Est-ce que c'est les pirates? On risque de perdre hein, quelques territoires dans ce qu'on a acquis récemment, mais ça m'inquiète pas trop. Je veux pas dépenser trop là-bas si je peux éviter. La vie dans le lagon. Que se passe-t-il? Les courtisans sont censés passer une grande partie de leur temps à la cour, vivant et opérant sous les intrigues politiques étouffantes qui animent Lauterne. Les messagers du roi Phénix peuvent ainsi s'immiscer parmi eux, propageant des infos qui les aident ou les entravent. Le roi peut rendre la vie de certains courtisans plus confortable, plutôt confortable ou au contraire des plus déplaisantes. Tout dépend de son humeur. Semer la discorde, j'adore. Influence plus 20. Ouais, encore moins d'ordre public, on va peut-être pas non plus exagérer. Trésorerie, ça on pourrait faire. Plus 10 pour un coût de 750, ça me paraît pas abusif. Pour aussi perdre juste 4 et remonter un peu en ordre public. Je vais le faire. Je pense que la dernière fois j'ai eu plus... Je sais plus combien j'ai gagné pour avoir moins 5 pendant 5 tours, mais c'était beaucoup plus que ça. Faire ça ainsi. Ah mais j'avais pas vu ça, dis donc. Alors Disty demande si j'ai prévu de continuer Divinity Original Sin en coop. Je crois pas a priori parce que ça prend vraiment beaucoup de temps et... On pourra de toute façon arrêter un moment, on pourra pas faire tout le jeu donc... certainement pas en live et en off non plus parce que j'aurai pas le temps donc... À un moment il vaut mieux arrêter, il vaut mieux pas arrêter trop tard. Plutôt que de décevoir les gens qui voulaient suivre plus. C'est quelle faction ça? Les oh, ah ouais, d'accord, c'est les rebelles, bien sûr. Je pensais que j'avais loupé un truc. On va peut-être devoir revenir, ou alors je les laisse. Impossible. Ils peuvent pas faire grand-chose pour l'instant. Mais moi, je voudrais bien finir cette faction-ci. Je pense qu'on va faire ça. On va aller jusque-là. Au pic de l'ombre, et on va les finir. No mercy. En plus, je peux le faire en une fois. Alors désolé, ça va être encore en auto, parce que c'est tellement déséquilibré. Je crois que c'est comme ça que j'ai perdu une troupe la dernière fois. Bon, encore une fois, je vais prendre votre avis, hein, puisqu'on est en live, autant en profiter. J'aime bien que ce soit interactif. En plus, vous n'avez pas que des mauvaises idées, hein, faut l'avouer. Alors. C'était plus 30 d'influence, me confirme Xermes. Il me semblait bien que c'était beaucoup plus. C'était bien là que c'était plus de 30. Vous voyez, ma mémoire joue toujours des tours. Donc je dirais que c'est la bonne opération, là. Bah oui, Disty, tu as bien compris, hein, c'est... À un moment donné, il faut couper court à ce genre de let's play découverte, parce que sinon ça va nous amener beaucoup trop loin, et arrête, plus vous avancez dans un let's play, plus c'est dur d'arrêter, parce que les gens forcément, entre guillemets, méritaient de voir la suite, puisqu'ils se sont investis. Auto, auto, auto. On finira par avoir une belle bataille. Je m'inquiète pas. Pas mal, le butin. Bon, si on pille et qu'on occupe, ça va foutre encore plus le boxon, mais en même temps, Tyrion est un petit peu libéré, il peut s'occuper des rebelles. On va gagner 1000, ça va peut-être pas le coup. Je vais occuper. Dominateur des Azures. Le 5 en combat contre nos frères. On a sécurisé sa ferry et on a détruit la faction. Bon, ça n'a pas vraiment été un gros problème. Le plus dur a été, je pense, là, une des premières batailles que j'avais faites.
pour éviter qu'il ne colonise une des ruines que je convoitais. Et après, c'est passé crème. Alors, du coup, pour aller par là, on va vérifier. Bien faire le tour, hein, bien évidemment. Ok. Donc là, comment ça se passe au niveau diplomatique maintenant? Je peux pas le voir ici directement. Si. Je détériore, mais tout doucement, mais enfin... je vais remettre une couche, je pense. Je vais remettre une couche de... d'influence. On en a quand même pas mal. +15. -4 est neutre. Pour Elyrion, je pense qu'on va également remettre une petite couche. Je veux dire, cette capacité de faction est quand même vraiment, vraiment puissante, donc autant en profiter. Ça peut m'aider à confédérer plus vite, honnêtement. On va pas s'en priver. Alors, on avance encore une fois tranquillement. Mais il faudrait que je me reconstitue encore peut-être une petite fois. Pour attaquer au prochain tour, je pense. Sûr. Ce qu'il y a, c'est que il n'y a pas des masses de défenseurs, il n'y a pas d'armée, donc j'ai pas envie de trop traîner non plus. Non, ça va, je vais avancer et je vais être sûr d'attaquer au prochain tour. Comment est-ce que je peux voir ici? Alors, c'est des Jus, le recrutement local. Comment expliquer? Il doit être dans la province qui produit ce type d'unité. Ça te prend moins de temps et c'est moins cher. Disons que c'est le prix normal, le temps de recrutement normal. En global, tu peux recruter n'importe où sur la carte. Mais ça te coûte, je pense, à peu près deux fois plus cher et ça te prend deux fois plus de temps pour recruter. Tu dois être aussi en mode campement pour le faire, alors que en local, tu dois pas être en mode campement. Vous pouvez me rectifier si je me gourre. On va pas gagner de l'influence là. Enfin, je pense que je saurais pas faire grand chose d'intéressant. On va remonter. Ok. Alors, un peu de gestion. On a 3000. Si rien... Je vais pas prendre la croissance pour ces petites villes. On va garder tout pour Lauterne. Là, on a encore une place à la tour scintillante. La cavalerie, ça sert à rien parce que juste au nord-est, on a une province qui en produit. Les jardins elfiques, revenus générés par les bâtiments de divertissement, 10%. Ah, c'est que les bâtiments de divertissement, c'est ceci. Et 10% en plus, c'est pas énorme. Ça va déverrouiller des technologies à ce niveau-là, mais là je pourrais pas le faire au niveau 4, donc ça sert pas à grand chose, je vais pas faire ça. Pas ça non plus, écoutez. Du coup, tour de guet là, c'est pas le plus utile. On pourrait refaire le fabricant elfique pour avoir du pognon. On va le faire. La Calédor, on va faire les animaux exotiques sans doute. Sans aucun doute. On aurait de la croissance pour la province aussi. Mais ça, j'ai encore le temps de voir. Quoique, non, on va le faire en premier lieu. C'est mieux.
En ivresse du sud. On a quelques choix quand même ici. Plus d'argent, c'est bien. Bon, attendez, parce que là, il y avait quand même des ennemis qui arrivaient. Hein. D'accord, c'est les pirates. Je crois avoir vu qu'ils allaient par là. C'est pas grave si on perd cette ville. Quand même de la défense. Hein. Mine de rien. Il y a déjà une tour de guet en fait construite. C'est vraiment très très bien pour moi ça. Heureusement à Sardaigna je pourrais pas en avoir une en plus. On va pas investir ici de trop. Je préfère pas, ça sert à rien. On risque de les perdre. L'argent investi. Salut Neteko. Salut Filkas. Content de te voir en live. Je pense que c'est peut-être la première fois que tu passes ou t'étais déjà venu la dernière fois, je sais plus. Des fois ça m'arrive de confondre en fait. On va passer au tour suivant. Paladin dit pourquoi réfléchir à tes constructions, de toute façon tes villes vont être saccagées par les rebelles et les pirates. Ah, on va voir. Oh, il a l'air bien décidé, hein, le gaillard, effectivement. Pas trop d'hésitation. Et on a les Skellings aussi ici. Ils viennent de l'Est. Petite qui a été détruite, hein, je vous l'avais dit, hein, ça se voyait gros comme une maison. Ils allaient se faire détruire. Ok. Bon. C'est là que les Romains s'empoignèrent. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Alors on est en siège, donc on va pas se presser. Je pense que cette fois-ci, pour une fois, je vais faire des tours de siège. Ça prend un peu de temps, évidemment. Je déteste attendre 3 tours avant de faire un assaut lors d'un siège. Ça me paraît tellement long. Ah bah oui, là on va la faire en manuel. Merci les amis. Je comptais pas vraiment vous le demander là. Je crois qu'on va se faire dégommer. Salut The Death. Content de t'accueillir sur le live. Oui, un combat marrant enfin, dit Sir Bancal. Je suis pas sûr que ça va être très marrant pour moi. Alors, ce qui m'arrange bien quand même, c'est qu'ils n'ont pas tant d'archers que ça. Ils en ont 4 unités. Une fois qu'on aura pris les portes, ils ont quand même des bonnes unités en défense. Mais si on prend le haut, si on prend les murailles, on va essayer de passer par la porte. Ça devrait aller. Ça devrait aller, mais vraiment, je mets des gros guillemets. Je suis pas chaud. Neteko dit, remercie-moi, Koinski, je suis là, tu vas perdre. Et il part d'un rire sadique. Crapule. Si on met pas de tour de siège, les unités, quand elles montent les échelles, en fait, vont être plus fatiguées en arrivant au contact. Déjà que c'est pas vraiment des experts de la mêlée, 21-34. On a plus d'unités quand même. Je vais me laisser un tour pour réfléchir à la tour de siège, mais une ça va pas changer de façon grand chose je pense. C'est tombé, on va continuer le siège et on attaquera au tour prochain. Je me sens très très mal. Enfin moyennement mal, j'ai envie d'y croire. Très envie d'y croire. Lui, je sais pas quoi en faire en fait. Je vais le faire revenir s'il fait rien par là. On peut gagner de l'influence peut-être auprès des autres factions. Alors, on repart ici. Pas sûr que ça, on va le garder jusqu'au bout, honnêtement.
De toute façon, non, parce que c'est de la croissance. Maintenant, j'ai besoin de plus de croissance, mais... Dans la tour, on sera à 3. Ça coûte quand même cher pour après le détruire plus tard. Pour avoir tous les bâtiments uniques et de niveau 5, enfin, un maximum. Donc, j'aime pas trop. Il me reste 2000. On va aller voir en Ivresse du Nord ce que je peux faire pour protéger éventuellement, mais... On va pas trop investir, en fait, parce qu'après, si je les perds, je vais regretter. À Thor-Ivresse, par contre, à la capitale. Là, on va faire des choses. Je vais faire ceci pour aider un peu à la croissance, quitte à le supprimer plus tard. On va pas faire trop de niveaux. Saferi. Je vais faire d'autres bâtiments ici. Il faut passer au niveau 2, absolument. Ça va vite de passer au niveau 2, quand même. On peut peut-être le faire. Pas au niveau 3, ça va nous prendre trop de temps, mais niveau 2, oui. Un petit peu les bâtiments uniques qui sont tous construits au niveau 1. Ok. Passer au niveau 2 cette ville-là. On se vers le sud, nos voisins ici. Ça s'améliore grâce à l'influence, c'est très bien. Il faudrait pas qu'ils nous poignardent dans le dos maintenant. Ça la foutrait mal. C'est bon, et là c'est bon. Allez, tour suivant. J'avance à une vitesse incroyable, on arrive au tour 24 déjà. Jelabloutre, j'hésite pas à faire des bâtiments de croissance au début du jeu parce que on peut les supprimer après une fois que les villes sont bien montées, mais sinon ça prend très très longtemps quand même. Peut-être que j'en ai fait trop dans une province effectivement. Une force ennemie appartenant à Philippe Aldenstrat ça met le siège de Tralinia. Mais on est déjà au courant. Hein. Je te remercie. Rébellion imminente dans cette province-ci. On a Tyrion qui revient tout doucement. Il va s'occuper des rebelles les uns après les autres. Ok. Ouh. Disponible, on a un bélier. On va le faire pour le spectacle. Merci Disty pour ton compliment, ça fait toujours plaisir. Aladdin a dit, je comprends pas que tu défendes pas tes territoires. Tu parles des territoires nouvellement acquis. On pourrait les défendre en recrutant un seigneur et en dépensant plein d'or pour avoir une troisième armée, mais honnêtement, ça va faire que retarder mon développement économique. J'ai pas trop envie. Pas grave si je perds une province. Je la récupérerai après. Bon, on va rester dans ce coin-ci. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Où est le bélier? Il est sur des lanciers, donc avec bouclier, c'est très bien. On va mettre les lanciers devant, puisqu'ils ont des boucliers. Et de toute façon, on ne pourra pas mettre que eux devant, hein. Il faut que tout le monde avance relativement vite. Là, ils vont se planquer là pour pas se faire tirer dessus. Rubinis n'a aucune capacité. Pas des masses d'armure. En face, c'est des archers de base, comme ceci. Bon, ils n'ont pas percé armure, c'est déjà une bonne chose. Bon. Il n'y a pas trop le choix, de toute façon. On va faire une ligne. Et on va monter sur les remparts. Si vite que possible. Pas qu'on aura pris les remparts, on pourra
saucer les autres depuis le haut des remparts. Les archers vont suivre derrière. Toi, tu vas aller là. Pourquoi te prendre pas trop sur la droite et après tu switcheras pour aller sur les remparts. Là, un peu pareil. Archer ici. Le seigneur va suivre derrière pour ne pas se faire trop tirer dessus. Là, on va suivre là. Il faudra de toute façon des mecs qui restent en bas aussi. Voilà, voilà ma formation. Elle vaut ce qu'elle vaut. D'accord, c'est le groupe 2, pas de problème. Ok. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'au début de la bataille, avant de prendre la bataille, il me donnait légèrement perdant et maintenant il me donne légèrement gagnant. Je sais pas trop pourquoi. Il n'y a rien qui a changé. Là où il n'était qu'au reste pour voir l'issue de la bataille, bien sûr. On a intérêt à courir. Hein. J'aurais pas dû les mettre ensemble dans le groupe en fait. Parce que. Il y a le bélier avec. Le bélier va empêcher les autres de courir. C'est bien qu'elle, elle monte en fait aussi. Elle peut pas? Ah oui, elle a un canasson, mais non, c'est juste. Juste, c'est juste. Place au milieu. Place là. Et là, il y a une baraque qui gêne. Du coup, on va aller en diagonale ici, c'est pas tellement grave. On va un peu gêner le trajet des autres, donc en fait, j'aime pas. On a 1, 2, 3, 4 places. 1, 2, 3, 4. Ah oui, là, je veux quand même le préparer correctement. Toi tu montes pas, tu vas aller là, en plus c'est bien, lancier avec bouclier, tu vas courir, toi tu montes là, deux vous suivez et ensuite on les fera monter. Elle advienne que pourra. Mais oui, ça va être chaud. Bon, elle va attirer un peu les tirs éventuellement, mais est-ce qu'elle peut attaquer la porte? Pas du tout. Si le bélier pète, effectivement, c'est la merde. Bon, maintenant, j'ai jamais eu le cas dans le jeu de perdre le bélier avant qu'il arrive à péter la porte. On va dire que... C'est pour ça que j'ai eu une espèce de... d'un abus de confiance. Mais jamais, jamais arrivé. Vous montez, et puis on va quand même en garder quelques-unes en bas. En fait, tous ceux qui peuvent tirer, on va les faire monter. On est en supériorité numérique. Les lanciers, ça sert pas à grand chose de les faire monter ici. Les archers, ils sont un petit peu loin, mais... Je pense que je vais quand même en faire monter une unité. Bon, j'ai pas grand chose à faire en fait, parce que j'ai pas de sort, j'ai pas de volant... Ils sont beaux les chars aux elfes, hein. Franchement c'est un peu une débauche de... C'est vraiment la débauche en fait de moyens quoi. Vous avez des ornementations partout. Pour un truc qui va être pété en 10 minutes. C'est un peu abusé. Alors... Ah oui, il tire évidemment. Je préférerais peut-être que tu ailles au corps à corps. Donc là on peut tirer à distance effectivement. Ça va aller, le bélier va péter la porte. Il est dans le tas ici. 35% seulement, mais alors qu'est-ce que tu fais?
va aider les copains ici. Que des archers, mais quand même. En plus, on a des lanciers qui se ramènent. Il n'y a personne là. On va rentrer. Essayer de contourner ici. Toi, tu vas venir te mettre là toujours. Tu seras toujours plus efficace que là où t'es et tu seras peut-être un peu moins tiré dessus. Des fois on a l'impression qu'ils sont là à glander en fait. Hein. C'est pas le siège le plus animé. Hein. Attendez, je mets en pause parce qu'on me dit qu'il y a une unité qui prend charge. J'ai un peu oublié de regarder ici. Ouh. Bah oui, c'est contre les lanciers, ils sont pas équipés pour. Ils sont pas équipés pour les gardes maritimes. De toute façon, là, le but, c'est juste de gagner. Hein. J'espère pas m'en tirer avec un moindre coup. Et courez un peu, là, quand même. Faudrait que je les fasse monter, en fait, peut-être sur les murailles. Attaquer ceux-là par derrière, est-ce que c'est possible? Pour aider un peu ici. Ceux-là, on les a perdus, de toute façon. Ici, on va mettre le mode mêlée, quand même, quand il y a moyen. On va tirer dans le tas. Peut-être un petit peu de perte de tir allié, mais bon. Est-ce que je pourrais aller jusqu'à la place? On a des lanciers. Bon, ils ont des soucis aussi, eux. Hein. Si on bute leur général... Mettre en pause un peu. 927. Pas trop mal. Les lanciers sont en haut, là ça va donner un coup d'air frais. Bon, ils sont dans le rouge, hein, mais les gardes maritimes contre les lanciers, c'est juste pas possible. Là on est bon. J'ai complètement oublié ma cavalerie. Complètement oublié la cavalerie. Bon, évidemment, contre les lanciers, ça va pas être terrible, mais au moins, on pourra utiliser les tirailleurs. Faire une charge par derrière, ça peut quand même être utile. Mais c'est pas mal ici. On va gagner contre ces deux-là. On va ensuite foncer là. Pas sûr qu'on puisse beaucoup les attaquer. Oh là là, elle a pris cher Rubinis. Elle a pris cher, on va poursuivre ici. On va mettre les archers là. C'est vite, c'est gagné. Bah, le Patrieur et les Riens. Ah, ils sont beaux, hein, ils ont du style. Certainement. Bon, elle, on va plus l'exposer. Hein. Je vais la laisser ici, bien protégée. Vous allez attaquer le centre. Je crois que ça va bientôt être terminé. Allez-y, Apat. Allez. On va les choper avec nos lanciers et après on pourra éventuellement faire une charge par derrière pour les aider un peu. Ok, garde maritime. Bon, ça devrait aller, hein, de toute façon. Il n'y a plus trop de soucis et je vais pouvoir vous lire un peu plus. La
devrais peut-être hurler pour que ça aille mieux, dit Maugrey Folloy. Ça pourrait leur faire peur. A vraiment pris très très cher. Mais bon, elle est pas morte, c'est ce qui compte. Ça s'est vraiment bien passé au final. Mais bon, à retenir évidemment les gardes maritimes contre les lanciers au corps à corps, c'est juste pas possible. Cool, victoire. Encore un bon conseil de votre part, merci. On a bien fait d'y aller tout de suite. Bon, on a eu des lourdes pertes, mais ça va encore. Ça va encore. Victory for Asurion. Petit butin. Petit XP, bon. On va s'en contenter. Pillé occupé, mais en même temps, on a déjà pas mal de problèmes d'ordre public. On va occuper. Mission accomplie. Et alors évidemment, on a double mission accomplie là. Parce qu'évidemment, je voulais le site de ressources rituelles. On va aller voir un petit peu ce qu'on a ici. Alors, comme repère, c'est-à-dire les bâtiments uniques, on a le hall des dragons, production de ressources d'animaux exotiques, entretien à 25% pour les dragons, bah c'est juste génial. Pareil pour le coût de recrutement. De l'XP. Apporte une garnison de dragons lunaires, de dragons stellaires, bon, évidemment. On va essayer de faire monter Calédor au niveau 5 assez... Ah, je vais dire assez vite, mais c'est évidemment très long. Ancienne pierre gardienne. Voilà ce qu'on doit faire pour aller vers le rituel numéro 1. Pour l'instant, on a le fabricant elfique, le pognon. Pas non plus énorme. Hein. Mais ça produit des ressources commerciales. Je ne sens pas vraiment l'utilité de faire monter ça. Hein. Ça rapporte pas tant que ça. Alors ici... On a quand même 124 de croissance grâce à tous les bâtiments qu'on a fait. Hein. On n'est que deux ici. Moi, ça me paraît bien, même si je préférais avoir celui-là là, évidemment. On est à 3 de surplus. Dans 9 tours, on pourra passer niveau 4. C'est bien. Dans 1 tour, on aura fini cette mission-là. Et là, j'ai l'argent pour faire l'hôtel d'Azurian. On va vers les phénix, on va vers les gardes phénix. 100 en armure, 42 en attaque, 40 en défense, anti-large, perce armure. Il peut même provoquer la peur. Et à 30% de résistance physique. Bah dis donc, ça me paraît pas mal. Hein. Voilà qui va remplacer les lanciers de manière tout à fait agréable. Après les dragons, c'est ici. Je peux pas commencer maintenant, de toute façon. Je pense qu'on va faire l'hôtel d'Azurian. Ça va rien me donner au début, mais après, voilà, on pourra avoir un deuxième phénix, voire plusieurs en plus même. Ou alors, on va vers la forge. Et là, on aura les chars, et on aura les chars, et on aura les balistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a combien de rituels? Il y a 5 rituels à faire, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, oui. Ah, ça prend du temps, c'est sûr. On va avoir une rébellion au tour prochain. Mais oui, c'est dans la province qui est juste au sud de Tyrion. Il pourra passer les choper au passage. Bah, les dragons, oui, mais il faut attendre le niveau 4 de toute façon pour faire le repère du dragon. Hein. Alors, une idée. Fais la forge, les phénix... Qui sont bons les chars en Ithilmar? On peut regarder un peu ensemble pendant que vous réfléchissez aussi. L'armure est top. La vitesse évidemment est pas trop mal. 54 en puissance des armes, anti-infanterie évidemment. De toute façon, le but c'est de liquider l'infanterie. Ça pourrait être quand même bien d'en avoir assez vite. Mais bon, on a vu les phénix à l'œuvre. Hein. Ils sont vraiment quand même très sympas. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va quand même avoir des... On pourra recruter enfin des balistes.
pour avoir un peu d'artillerie. Ça peut être pas mal. D'en avoir au moins une dans l'armée. Je pense qu'on va... Après là, ça nous débloque une technologie. On va quand même faire ici pour voir la technologie. De toute façon, je vais faire les deux, hein, probablement. C'est parti pour l'hôtel d'Azurian. Calédor, maintenant, on a quasiment complété. On va aller sur Torsetta et dès qu'on aura un petit peu récupéré des forces avec notre ami l'archère. ...444, ok. Je m'arrête là. On va faire ce combat là après, à mon avis je le ferai en auto. Et là, je vais réfléchir un petit peu pendant la pause et puis avec vous en reprenant. Ne m'inquiète pas, c'est un territoire dont on a hérité, les pirates n'en feront rien d'intéressant, on repassera ici. Vous voyez, si je fais une troisième armée, bah, tout mon entretien va y passer, et tout mon supplément de revenus va y passer, ça, je vais rien gagner avec ça. Je vais faire consolider les acquis. Et elle est là après. Voilà, on va faire une pause ici. Peut-être qu'on va se retrouver si vous voulez rester d'ici 4-5 minutes. Voilà, petite coupure donc. On se retrouve tout de suite.